Salam ma soeur. Alors aujourd'hui, je te prépare un petit sauce de pied de bœuf. Alors moi, le mien, il était au crochet. Donc moi, je l'ai pris au marché, 3 euros comme ça. Donc il te le coupe complètement. Donc là, moi, je l'ai sorti, décongelé. Moi, je vais la nettoyer à fond là. Tu prends un petit couteau, tu grattes bien, bien, bien le dessus. Tu nettoies avec du citron, avec un petit peu de sel, avec de l'eau chaude. Tu nettoies bien, mais genre bien comme il faut. Hein. Et là, tu vas mettre sur le feu. Moi, je fais 1 heure, 1 heure et demie sur le feu, avant qu'il soit ramolli, qu'il soit bien, 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 bien cuite. La sauce, franchement, c'est un délice. Tu peux faire une sauce ou bien tu peux faire de la soupe. Moi, aujourd'hui, je fais une sauce au lait de coco. Donc là, c'est bon, tu mets sur le feu. J'ai mis quelques feuilles de laurier pour l'odeur et pour le goût, bien évidemment. Donc, vous connaissez le feuille de laurier. Du coup, là, vous allez attendre les 1 heure et demie avant de faire votre sauce. Donc, pour votre sauce, vous aurez besoin juste de tomates, de lait de coco, tomates concentrées, tomates pelées, pour les épices, cumin, curcuma, paprika. Donc, vous allez voir la vidéo. Et tout simplement, donc la viande, elle est déjà cuite, les pieds de bœuf est déjà cuit. Donc, voilà, vous allez faire votre sauce et tout avec un petit fond d'huile d'olive ou l'huile que vous voulez. Vous allez faire frire les oignons, les tomates et toutes les épices. Comme tu le vois là, bah, tu fais une sauce comme tu fais la sauce d'habitude et tu rajoutes tes pieds de bœuf, de bœuf, tout bien cuit, quoi. Et voilà, vous allez attendre 10 minutes avant que tous les ingrédients se mélangent bien, bien, avant de rajouter le lait de coco. Donc, tu rajoutes ton lait de coco et tu attends encore quelques 10 minutes. Et là, c'est prêt. Tu dégustes avec le riz. Mais franchement, soit le riz de lait de coco ou bien le riz normal. Donc, voilà la vidéo, c'est fini. Touche à sa fin. Si ça t'a plu, n'hésitez pas à regarder cette petite recette. Elle est trop géniale. Et si t'es pas abonné, abonne-toi parce que pendant le ramadan, on aura cette recette. Abonne-toi et like et partage les vidéos. Ciao, ciao les reines.